Bonjour, je m'appelle Alissa et j'ai 10 ans. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter un livre qui m'a beaucoup passionnée. Ce livre qui pour moi est vraiment extraordinaire, bien c'est L'Accident. Il a été écrit par Yves Grevet. Dans cette histoire, on rencontre deux personnages très importants. Il y a Fantine, qui est une adolescente. Elle habite avec ses parents dans une campagne assez déserte. Fantine aime beaucoup la guitare. Mais un jour, Fantine va avoir un accident. Et depuis ce jour, il se passe des choses étranges la nuit. Le deuxième personnage est Nock. Nock a une vie très étrange. Il voyage beaucoup dans des endroits très surprenants. Un jour, Nock va avoir une mission. Une énorme mission. Ensuite, je pense que ce livre peut gagner le concours, car la lecture était très facile. Il n'y avait pas de mots compliqués et j'arrivais bien à comprendre les émotions de Fantine et Nock. Je pense aussi qu'il peut gagner parce que l'histoire était vraiment intéressante et elle m'a vraiment passionnée. Fantine et Nock m'ont emmenée voyager avec eux et je pense que ce sera pareil pour vous si vous le lisez. Enfin, la chose qui m'a le plus plu dans ce livre, c'est qu'en écrivant ce livre, l'auteur a voulu nous faire passer un message. Il a voulu nous dire que l'on n'oublie jamais les personnes qu'on aime. Dans ce livre, on ressent amour, tristesse, peur, joie et encore plein d'autres émotions. Et c'est pour cette raison que je vous conseille de le lire et de voter pour lui. Alors votez L'Accident, car ce livre mérite d'être gagnant.